les finances, et faire un budget pour en dire, mais restons derrière nous, nous préparons le nouveau décollage. C'est comme ça que nous pouvons dire, nous pouvons jouer un rôle de père de famille, nous pouvons dire aux enfants, nous jouer dans la mer, quand c'est la vie est possible. Elle est responsable. Totalement irresponsable. Et c'est à partir de mon analyse depuis 3 ans, que donc on arrive à la troisième projection qu'il nous faire. Donc, nous sommes dans l'œil du cyclone pour dire à nous préparer. Et dans sa phase de préparation-là, qui nous fait poser depuis 18 mois, nous pouvons dire qu'il y a 3 projets qui ne sont pas capables de mieux. Premièrement, maintenant, l'alimentaire. Nous nous désagréons au niveau alimentation et en termes de pénurie et en termes d'inflation, les deux. Et on va comprendre qu'il fait nous tendre pour capable, bouge, le sac qui nous fait l'appel, un plan alimentaire stratégique, PAS. Le plan alimentaire stratégique veut dire, nous pays capables de produire au moins 50% de ce qui nous fait consommer, pour qu'il nous capable de nourrir la population, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous sommes capables de nourrir la population. Nous proposons un plan stratégique alimentaire. Le ministre des Finances, il pose l'eau là dans le budget. Mais il disait qu'on est qui est capable de produire alimentaire, qu'on est d'implanter. En 4 budgets, nous plantons sur ces 40 000 ou 30 000. Alors on pose la question, comment est-ce capable de produire l'alimentaire si finalement, peinant s'y planter sur les arbres. Nous finons aussi, propose depuis 1 an et demi, un stock stratégique de produits pétroliers. Nous ne pouvons pas jouer à ça. Il y a un peu comment dire, nous disons ça, pas quoi arrive nous. Comme ça, film là, ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, comment dire, un événement la vie, un drame la vie, et ça, c'est ce qu'on voit, qui vit pas. Donc, on nous propose que le gouvernement achète un stock stratégique de produits pétroliers de 5 mois. Le stock actuel, non pas stratégique, le stock 10 jours. Un bateau, il en regarde 10 jours, même plus ici. Et l'économie arrêtée automatiquement. Il y a donc 5 mois de stock stratégique de produits pétroliers. Nous n'avons pas souhaité qu'Israël bombarde l'Iran, ou qu'il y ait un accident géopolitique. Non. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas qu'un gouvernement, un petit pays coupé du reste du monde, qui verra dans une phase comme ça, qu'il n'y a pas encore qu'il y a assez de stock produits pétroliers. Nous pouvons dire au gouvernement encore, si nous ne prenons pas des décisions vite l'eau là, nous risquons quand même une rupture de stock, avec ses conséquences au niveau économique, au niveau de la population. Donc, il propose un projet spécifique. Nous ne pouvons pas aller en dehors, nous proposons un projet qui peut aider nos pays, qui peut aider chaque Mauricien à faire face à la situation. Et dernière proposition qu'il nous fait, je ne peux pas comprendre comment le gouvernement est capable de mieux ça. We are in a full-fledged water crisis. Ce n'est pas pour ce mot français qui va dans, mais we are in a full-fledged water crisis. Ce n'est pas pour rendre la cause, ce n'est pas consommation qui a augmenté, production baissée, non. Mais ce qui m'a fait constater, c'est que malgré tout la pluie qui peut tomber, nous avons coupé l'eau non-stop. Et Chairman Sylvieux, qu'on vient finalement, qui va une nappe phréatique de Maurice.